reste plus que 7 jours à vivre. Tu le prends. Il n'est pas facile de changer quand on a été gentil toute sa vie. Tu es tombé sur le seul handicap qui soit pas remboursé par la sécu. Tu vas voir qu'un jour, à force d'aider tout le monde, c'est moi que tu pourras plus aider. Oh non, 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 Mélanie, faites un effort. On le sait que vous êtes pas jolie, mais vous pourriez au moins essayer. C'était donc ça la vie de Mélanie. Et rien de tout ça n'aurait changé si un prince charmant ne s'en était mêlé. J'ai un rendez-vous avec lui. Franchement, il voudra jamais de moi. Elle n'est pas vraiment belle. Mais comment elle a pu croire un truc pareil? Mélanie venait de comprendre qu'on ne pouvait pas être rond dans un monde carré. Désormais, c'était décidé. Vilaine était née. Tous ceux qui lui avaient pourri la vie allaient payer. Ah, vous me sortez pas de Johnny? Non! Mademoiselle, s'il vous plaît, vous pourriez me laisser votre place? Non. Eh bien, Mélanie! Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? T'es trop con, hein? Pourquoi tu te laisses faire comme ça? Parce que je suis noir et sans papier. Eh ben, pour les papiers, ça y est, c'est fait, t'es français, mais pour la couleur, ça, je suis désolée, hein, mais va falloir t'y faire. Faut faire gaffe avec les employés, hein. Vous leur donnez ça, ils vous mettent ça! Vous irez dire ça à Le Pain Sec, votre nouvel inspecteur du travail. Bonjour, madame. Je prends ma journée, j'ai des courses à faire. Je vous l'emprunte, et... Vous avez pas le permis? Embraye, salope! Stop! J'ai déjà un vieux à m'occuper, alors ça va, hein. Oust. Mais devenir vilaine n'est pas sans conséquence. Allô.